Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors voici le début du chapitre 5, révision et supplément aux notions d'astronomie appliquées aux prophéties bibliques. Alors on va vous montrer dans ce chapitre-là des preuves que les textes bibliques des chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse représentent réellement une vision de notre système solaire lors de la formation de l'étoile de David du 22 juillet 2013. Alors, ça peut vous sembler étrange, mais vous savez, je vous ai parlé d'horloge, de montre, qu'on consulte sa montre à un certain moment, pas 6 mois avant un rendez-vous normalement, etc. Eh bien, il n'y a pas qu'un seul type de montre. Nous, on connaît, on est habitué avec une montre ou une horloge avec des aiguilles, mais avec la science qui a augmenté, on a maintenant des nouvelles types de montres qui sont digitales. Alors, vous êtes d'accord qu'il n'y a plus d'aiguilles qui se promènent devant, si vous voulez, un arrière-plan avec des chiffres. Lorsque c'est digital, c'est une série de chiffres qui changent automatiquement avec le temps qui est synchronisé avec les notions du temps qu'on divise par des secondes, etc. Mais il y a aussi d'autres types d'horloges. Il y a plusieurs types d'horloges. On peut penser au sablier, qui en est un. Et le fait d'avoir la description d'une image de notre système solaire dans le chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse est très intéressant parce que ça nous marque un temps précis par lequel les événements de la fin vont commencer à s'enchaîner et se déchaîner. Alors, ce que je vous propose ici, c'est qu'on fasse une révision de ce qui était montré dans la série vidéo « Un voyage astronomique vers la fin des temps ». Et on va y additionner des notions supplémentaires. Et le but de cet exercice-là, il y a deux buts. Le premier, c'est que plusieurs d'entre vous ont une meilleure compréhension lorsque les choses sont expliquées de vive voix, comme je le fais là, par rapport à une vidéo ils doivent lire, comme ça a été fait dans le livre, pas dans le livre, mais dans la série vidéo « Un voyage astronomique vers la fin des temps ». Ça, c'est la première situation. Certains d'entre vous, ça va les aider à mieux comprendre, mieux saisir l'importance de ce qui a déjà été montré. Et la seconde raison pour laquelle je veux faire cette chose-là, ça va être premièrement très, très important pour la suite des prochains chapitres qui sont attachés votre ceinture très, très solidement. C'est vraiment extraordinaire ce que je vais vous montrer. Vous allez être surpris, ça je peux vous le promettre. La raison, c'est de faire en sorte de prouver que si j'ai avancé 80% des textes du chapitre 4 et 5 comme étant la vision de notre système solaire, eh bien, qu'en est-il du 20% des textes que je n'avais pas montré? Alors, vous êtes d'accord que si 80% correspondent dans les détails extraordinaires à cette vision-là de cette étoile de David-là du 22 juillet 2013, journée par laquelle le fils, le prince George, le fils de William est né, à la même journée en passant, bien, il est vrai, il doit être vrai, par conséquent, que les 20% que j'ai pas montré fonctionnent complètement avec cette même image-là. Vous êtes d'accord, il faut que ça soit consistant. Alors, vous n'allez pas être déçu, je vais vous le montrer. Et ce que je vais vous montrer va vous renverser. Alors, on va continuer. On va avancer un peu plus. Donc, il y a des notions. Les notions sont suivantes. On parle des quatre êtres vivants. On parle de l'agneau immolé.
On parle des sept cornes et des sept yeux dans le chapitre 4. Et une question qu'on peut se poser immédiatement, qui est celui qui est au milieu des quatre êtres vivants de la Bible d'un point de vue astronomique? Eh bien, commençons. Les quatre êtres vivants sont représentés astronomiquement par, ça je l'avais montré dans le voyage astronomique, on va y aller, on va commencer. Point numéro 1 à regarder, c'est l'Apocalypse chapitre 4, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, qui correspond à la constellation du lion, je vais vous le montrer. Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau correspond au taureau, dans la constellation du taureau. Le troisième être vivant à la face d'un homme, cela correspond au Verseau. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, c'est le scorpion qui fut appelé dans les temps anciens la constellation de l'aigle. Donc, dans le voyage astronomique vers la fin des temps, on a aussi démontré que les 24 vieillards, les 7 cornes et les 7 yeux faisaient tous partie de la même vision de notre système solaire, vu du dessus ou vu de son hémisphère nord, si vous préférez, à un moment précis qui correspond à l'étoile de David du 22 juillet 2013, qui tout ça annonce l'imminence de l'ouverture des sceaux. Eh bien, on le voit dans l'Apocalypse, le chapitre 5, verset 6, les 24 vieillards et les 7 cornes et les 7 yeux. Et je vis au milieu du trône. OK? Le trône est donc au milieu. Et des quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards, il y a 24 vieillards, un agneau debout qui était là comme immolé. Qu'est-ce qui est immolé dans notre système solaire? Évidemment, c'est le soleil. Le soleil se fait appeler en anglais « the sun », qui a la même consonance en anglais comme le fils de « sun », qui, comme je vous dis, signifie « le fils ». Ça, c'est assez spécial, cette étymologie-là qui entoure le mot « soleil » en anglais. Maintenant, les 24 vieillards, on avait démontré qu'ils étaient astronomiquement représentés par 24 étoiles précises, nommé parmi les quatre constellations appartenant aux quatre êtres vivants. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On nous dit par la suite qu'il y avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, ce que aussi ça peut signifier, c'est qu'à l'ouverture, qu'à la formation de cette étoile de David-là, qui annonçait l'imminence de la fin des temps, l'imminence de l'ouverture des sceaux par Jésus-Christ, okay, qu'il y aurait aussi une augmentation de la connaissance par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a sept ministères, sept grandes forces, si vous voulez, caractéristiques dans l'Esprit Saint, et qu'il y aurait parmi l'Église, la vraie Église de Christ, une recrudescence, une augmentation de du discernement de tous les dons de l'Esprit parmi la vraie Église, à ce moment-là précis, comme pour donner un dernier sprint vers la course finale qui amène au début des tribulations. Donc, le système solaire vu de l'hémisphère nord, je vous en ai parlé. Je vous rappelle ici que dans les psaumes 147, versets 4 et 5, on nous dit que l'Éternel compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Et je vous donne un exemple d'étoiles nommées. Ici, le nom des Pléiades signifie la congrégation du juge. Mais la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui vient en juge dans les derniers jours. Dans les derniers jours, on l'appelle le Shiloh lorsqu'il revient. Il revient comme un bœuf enragé. Et justement, les Pléiades se retrouvent dans le cœur du taureau. Et la congrégation, le mot congrégation, est un terme exclusif à l'Église, si vous voulez, à la prophétie biblique. On appelle ça l'assemblée, si vous voulez, mais le mot congrégation veut dire une assemblée de saints. Alors, tout, comme vous pouvez le voir, même le nom des Pléiades correspond à la prophétie biblique de A à Z, du début à la fin. Alors, comme je vous ai dit précédemment,
à partir des caractéristiques 1, 2, 3 et 4 ici, pris extrait de l'Apocalypse chapitre 4 verset 7 et du livre de l'Apocalypse chapitre 5 verset 6, les caractéristiques qui concernent l'agneau immolé, les sept yeux, les sept cornes, les 24 anciens et les quatre êtres vivants. Alors tout ça ici, on les prend ensemble. Je vous répète les mêmes versets qu'on retrouve ici en haut. Et je vous prends l'image, comme je vous ai dit, vue plongeante du système solaire, à vue à la date précise de l'alignement du 22 juillet 2013 correspondant à l'étoile de David. Alors, pour ce qui est des sept yeux, on les voit, ce sont les planètes qui créent cette forme-là de l'étoile de David. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la septième, évidemment, se retrouve au milieu puisque le Soleil se retrouve exactement au centre. Et le Soleil, on peut le centraliser en passant des lignes entre les quatre constellations correspondant aux quatre êtres vivants. Nous avons ici le scorpion qui fut connu sous le nom de l'aigle dans les temps anciens. Le visage d'aigle est ici. L'être vivant correspond au visage d'aigle. On a ici l'être vivant correspondant au visage du veau, le taureau. On a ici le visage de l'être vivant correspondant au visage du lion, le lion. Et nous avons ici le Verseau, la seule constellation dans laquelle c'est un homme, un être humain au visage d'homme. Donc la voici, cet être vivant-là au visage d'homme, le Verseau. Et ça formait une croix parfaite ici. Et donc, le septième œil se retrouve ici au centre. Maintenant, vous allez me demander, pour les cornes, eh bien les cornes, on les voit ici, une corne, deux cornes, trois cornes, quatre cornes, cinq cornes et six cornes. Vous allez voir, maintenant vous allez me dire, bien, il y a sept cornes, il n'y a pas que six cornes, il y en a sept, eh bien, elle est constituée par l'agneau immolé qui se met debout. Alors, vous allez voir, il y a une septième corne qui doit apparaître ici, qui est une vue, si vous voulez, qui sort de la deuxième dimension, des deux dimensions de mon écran d'ordinateur, vers vous. Imaginez-vous une corne, une genre de pyramide, si vous voulez, qui sort vers vous. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Vous avez vraiment une septième corne qui est formée. Et donc, ici, tous les éléments sont présents. Le Soleil, ici, qui est au centre, c'est le seul astre qui brûle, qui est immolé de notre système solaire. Et donc, il représente le Soleil, l'agneau immolé, qui doit être mis debout. Et donc, ce qui est assez, comme je vous l'ai déjà dit, extraordinaire, c'est que le Soleil, en anglais, on dit « the sun », qui a la même consonance que le Fils en anglais, qui est « the sun ». Et tout ça est consistant. Maintenant, pour pousser l'étude un peu plus loin, pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'inventer ici un concept qui correspond, mais qui serait un simple fruit du hasard, eh bien, et là c'est beaucoup plus difficile, ça commence à mettre les statistiques de notre côté, qu'on ne se trompe pas, en proclamant que ce chapitre-là correspond à une vision de notre système solaire. Pareil comme si vous preniez une image de l'horloge, de votre horloge chez vous, de votre montre, d'un temps précis dans le futur, d'un événement majeur. Exemple, dans 6 ans, à 20h33, il devrait se passer quelque chose. Alors, vous preniez une image de votre montre avec la date, le 23 mars 2022, à 8h33. Prenez une image de ça, une photographie, et vous la mettez dans un livre prophétique et vous l'envoyez. Les gens voient ça et se disent, il doit y avoir quelque chose de majeur. Alors, pour arriver à se dire, ben là, est-ce que c'est juste le fruit de l'imagination? Eh bien, il faut regarder du côté des 24 êtres vivants, parce que la Bible ne nous dit pas qu'il y en a 13, elle ne nous dit pas qu'il y en a 50, elle ne nous dit pas qu'il y en a 3, elle nous dit qu'il y en a 24. C'est très, très précis, et elles doivent se retrouver au milieu, avec les quatre êtres vivants. Et ce qui est extraordinaire, nous allons étudier le nombre d'étoiles qui ont été nommées dans les quatre constellations qui nous concernent, c'est-à-dire le Verseau, le Scorpion, le Lion et le Taureau. Et vous allez voir qu'il n'y a, au total, si on additionne le nombre d'étoiles qui ont été nommées dans ces quatre constellations-là, il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 23, il y en a exactement 24. Et les autres étoiles qui font partie quand même de ces constellations-là,
parce qu'il y en a plus que 24, vous allez voir, il y a un tas d'étoiles dans ces constellations-là. Elles n'ont pas été nommées. On leur a donné seulement des appellations comme sigma ou des chiffres, mais ils ne portent pas de nom. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, cette notion a l'effet que le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse représente une vision précise d'un moment précis de notre système solaire vu de l'hémisphère nord, correspondant à cette étoile de David-là du 22 juillet 2013. Pour s'assurer que ce n'est pas seulement une simple coïncidence, avec un peu de chance d'arriver à dire, ben là, on a les sept yeux, on a les sept cornes, etc., il faut pousser l'étude un peu plus loin, et on peut le faire en regardant et en se penchant du côté des 24 vieillards, parce que la Bible ne nous dit pas qu'il y a 13 vieillards, elle ne va pas nous dire qu'il y en a 18 ou 50, elle nous dit précisément qu'il y en a 24 vieillards. Et ces 24 vieillards-là, donc, doivent se retrouver dans les constellations appartenant aux quatre êtres vivants. Alors, donc, ce que je m'attends à trouver, c'est que dans les quatre constellations des quatre êtres vivants, les quatre êtres vivants elles-mêmes, représentées par leur propre étoile, donc on ne doit pas les compter dans les 24, du nombre des 24 des vieillards, ce sont les quatre êtres vivants, mais je dois retrouver des étoiles nommées dans ces quatre constellations-là au nombre total de 24 et non pas de 25 ou de 26 ou de 50. Et pour ce faire, on doit aller voir chacune des constellations et vérifier toutes les étoiles une à une pour vérifier lesquelles ont reçu des noms. Et vous devez considérer que les étoiles qui sont nommées portent des noms. Et celle qui s'appelle Epsilon 2393, pour vous donner un exemple, ne sont pas nommées, ce sont des chiffres. On les attribue des lettres, des epsilon, gamma, etc., ou alpha. Ces étoiles-là, on ne peut pas les considérer comme nommées. C'est celles qui ont reçu des noms. Alors, avec grande stupéfaction, lorsqu'on a fait cette recherche-là, on s'est aperçu, encore une fois, que la Bible nous parle de choses, même dans des simples versets qui ont l'air anodins, il y a une profondeur vraiment extraordinaire. Ici, lorsqu'on s'est penché sur les 24 vieillards et qu'on a réussi à prouver qu'elles étaient nommées au nombre de 24, très précisément dans les quatre constellations représentant les quatre êtres vivants, eh bien, cela prouve hors de tout doute que les chapitres 4 et 5 représentent vraiment la vision de cet alignement-là très spécifique qui annonce le début de l'ouverture des sceaux. Alors, ici, je vais vous le démontrer. Alors, on reprend ici l'Apocalypse 5-6. On nous dit « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des 24 vieillards. » OK, les 24 vieillards. Donc, les 24 vieillards sont représentés astronomiquement, comme je vous l'ai dit, par 24 étoiles nommées, parmi les quatre constellations appartenant aux quatre êtres vivants. Donc, note, les étoiles des quatre constellations représentant les quatre êtres vivants, OK, un être vivant par constellation ne doit pas être calculé comme faisant partie des 24 vieillards. Alors ici, premier exemple, on regarde le lion. Alors le lion, l'étoile numéro 0, ici, on la voit, c'est Régulus, c'est celle qui est juste sous mon curseur ici, derrière le mot lion, on la voit, et c'est l'étoile Régulus, c'est elle qui est l'être vivant, qui a une face de lion. Maintenant, il y a combien d'étoiles de nommées dans cette constellation-là? Il y en a une, le Rassala, Aldefera, Aldieba, Subra, Shertan, Zosma et Denebola. Ce sont les sept étoiles que vous pouvez retrouver dans le lion qui ont été nommées. Il n'y en a pas plus que sept. Donc, je vais vous faire une simple démonstration vivante en allant sur mon logiciel Stellarium pour vous montrer que si je clique sur plusieurs autres étoiles alentour, ils n'ont pas porté de nom, on les appelle sigma, gamma, on leur donne des chiffres, mais pas de nom, qu'il n'y a que ces sept étoiles-là qui ont été nommées, excluant l'être vivant qui, elle, est au cœur du lion. Alors, je ne le ferai pas pour les quatre constellations, vous pourrez le faire à la maison, vous pouvez vous amuser à chercher pour vérifier si vous pouvez me prendre en défaut. Vous allez avoir bien de la misère à le faire, parce que j'ai passé des heures, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé d'autre que 24 étoiles pour les quatre constellations. Alors voici la démonstration que je vais faire pour le lion de ce pas. Voici donc l'image de la constellation du lion
dans laquelle je vais vous faire la démonstration pour les sept êtres vivants que je vous ai nommés dans le document ici. On voit les noms, il y en a sept, je vous les ai donnés. Et on exclut le premier être vivant, mais le premier être vivant, on doit le retrouver, qui est l'étoile Régulus. Alors, allons-y avec cette démonstration-là, qu'il n'y a que sept étoiles qui ont été nommées dans cette constellation-là précise du Lion. Première chose extraordinaire, phénoménale et surnaturelle qu'on doit immédiatement vérifier, c'est le fait que Vénus se retrouve collée en conjonction parfaite avec l'étoile Régulus à cette date précise du 22 juillet 2013, lors de la formation de l'étoile de David qui annonce l'ouverture des sceaux. Parce que précisément, Jésus, à l'ouverture des sceaux, s'appelle, à ce moment précis-là, le Shiloh. Et on voit la notion du Shiloh dans le Genèse 49, versets 1 et 2, comme je vous l'ai montré. Le lion qui se lève, qui revient du carnage, qui tient le sceptre dans ses mains. Et on l'appelle le Shiloh à ce moment-là. Et quelle étoile tient le sceptre entre ses mains? Ça confirme l'étoile, si vous voulez, le visage du lion, qui est l'étoile Régulus. Et Jésus, qui se fait appeler dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Il parle ici de l'Apocalypse, des choses qui doivent venir dans le futur, à la fin des temps. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, il le dit. Et si je ne l'ai pas encore faite, je vais vous le montrer. » Dans la concordance Tron, quand on arrive dans l'étoile brillante du matin, la référence directe dans le langage d'origine qui est en grec, eh bien, signifie Vénus. Il pointe vers Vénus. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ils le disent de la façon, dans le texte, l'étoile brillante du matin correspond à, en astronomie, l'étoile brillante du matin pour qualifier Vénus, la nommer, si vous voulez, l'identifier. Mais ils vont aller plus loin que ça. Dans l'étymologie, dans la langue d'origine dans laquelle cette partie-là, le livre de l'Apocalypse, a été écrit, qui est le grec, eh bien, le mot signifie ou pointe vers Vénus. Je vais vous le montrer. Donc, à ce moment précis-là, on confirme que Vénus s'associe avec le Shiloh, Jésus, le Shiloh, à l'ouverture des sceaux, à la date précise de cette étoile de David-là. Ça, c'est renversant, c'est extraordinaire. Et là, on va regarder maintenant les étoiles, les noms. Celle-ci, c'est Epsilon, Léo, elle n'a pas le nom. On l'appelle HIP47907, ce n'est pas un nom, c'est un chiffre. C'est une dénomination. On a ici Rassala. Rassala, ça, c'est un nom d'étoile, la première. On a 39 Léo, oubliez ça. On a Adaphera, c'est la deuxième étoile. On a Aljeba, qui est la troisième étoile. On a Sigma Léo. Sigma Léo, ça ne peut pas être nommé. HIP, ça c'est des endroits du ciel. Voyez-vous, c'est tous des chiffres. Ce sont des diverses étoiles, OK? Et ici, Subra, voici la quatrième étoile. On en a une quatrième. Puis Léo, oubliez ça. 31 Léo, quand je vais m'amuser à cliquer 42 Léo. Voyez-vous, vous pourrez vous amuser pendant des heures. Là, j'en ai trouvé 4 ici. Ah, Chartrand, c'est la cinquième. Zosma, la sixième. Denebola, la septième. Et si je fais le tour alentour ici, absolument rien. Il n'y a rien de nommé. Vous pourrez vous amuser chez vous à faire le même exercice pour les autres constellations et additionner, si vous voulez, tous les noms et vous allez vous apercevoir qu'il y en a seulement 24 qui ont été nommés parmi les 4 constellations représentant les 4 êtres vivants, comme je viens de vous faire la démonstration. En plus de trouver des subtilités extraordinaires, Vénus sur Régulus à cette date-là, vous allez trouver les Pléiades dans le taureau, les Pléiades qui veut dire la congrégation du juge. Jésus se fait appeler le juge et à la fin des temps, OK, et il vient comme un taureau enragé, exactement comme la constellation du taureau. Fait que donc, c'est une autre preuve de plus que chaque étoile est à sa place selon la parole de Dieu en temps réel. On a donc dans le lion trouvé l'être vivant Régulus et les 7 étoiles qui sont nommées. Donc, on est rendu un total de 7 avec le lion.
On passe maintenant au deuxième être vivant, le taureau, le face du veau. Deuxième être vivant, face du veau, l'étoile Aldébaran. L'étoile Aldébaran est l'étoile la plus... D'ailleurs, en passant, les quatre êtres vivants sont les quatre étoiles les plus brillantes de chacune des constellations correspondantes. Donc, vous avez les vieillards, mais les vieillards brillent moins que les quatre êtres vivants. C'est ça qui est plus extraordinaire. Donc, Aldébaran, l'être vivant, comme un visage de veau. OK, c'est l'étoile Aldébaran. J'ai trouvé, dans la constellation du taureau, seulement quatre étoiles qui portent des noms. On a Alnat, on a Ain, Pléon, et on a Atlas. Atlas, ici, qui est la porte d'entrée, si vous voulez, aux Pléiades. Donc, vous voyez, excusez, c'est ici, Atlas, la troisième, le numéro 3, Ain, ici, qui est la deuxième, qui se retrouve, je pourrais grossir, mais vous pourrez aller voir par vous-même, avec vos, en utilisant un logiciel, parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, et Alnat, qui est, si vous voulez, la troisième. Maintenant, on a Pléon, Pléon, Pléon se retrouve, lorsqu'on grossit ici, cette partie-là, dans le cœur du taureau, on la voit ici, à côté de Atlas, on voit Pléon. Je peux aller vous les montrer dans le logiciel, ici plus précisément. Alors, Pléon est ici, vous la voyez, exactement là, à côté d'Atlas. Maintenant, Les sept autres étoiles ici font partie d'un autre, d'un autre objet identifié dans la Bible. Et on va y revenir plus tard. Il s'agit des Pléiades. Toute la partie que vous avez ici, ce sont les Pléiades. Incluant cette partie-là, mais ici, elles sont au nombre de sept. Elles se font appeler aussi les sept sœurs. Et donc, dans la Bible, la description des sept sœurs s'appelle, on la déclare comme étant les pierres étincelantes, desquelles Satan a été, pas Satan, mais Lucifer a été chassé. Et je vais vous donner, je vais tout vous expliquer ça, vous en faire la démonstration, mais ce qui est extraordinaire de constater, c'est qu'exactement dans cet amas d'étoiles-là, il y en a seulement sept à laquelle on a donné des noms. On les voit ici, Astérop, Tegeta, Séléno, Electra, Merop, celle-ci est un petit peu difficile à voir, je vais essayer de reculer. C'est A-L-C-Y-O-N-E, je vous l'appelle parce que c'est un peu difficile peut-être pour vous de le voir. C'est Alcyone, et il y en a une qu'on voit encore moins ici, parce que là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, j'en ai nommé six, il y en a une au centre, et c'est Maïa. Maïa, M-A-I-A. J'essaie de... En reculant, on la voit apparaître un peu plus. Le voyez-vous ici? On le voit. Fait que finalement, il faut que je recule parce que c'est tellement étincelant comme je pourrais jouer avec le logiciel puis enlever de l'éclat si vous voulez, ça ressortir un peu plus. On la voit aussi comme ça. Et donc, il y en a vraiment 7 qui ont reçu des noms, tandis que les autres, on voit HIP 17664, V1922, Tau. Tau, c'est une lettre comme Epsilon, c'est une lettre dans l'alphabet grec. Donc, ils n'ont pas porté de nom. Alors, c'est extraordinaire. Tout est conforme, encore une fois, à la parole. Donc, si on résume, pour le taureau, qui est le deuxième être vivant, qui est l'être vivant avec la face du veau, qui est le taureau, on a donc l'être vivant comme tel, qui est l'étoile Aldébaran. On la voit ici, c'est l'œil rouge du taureau, d'ailleurs. Lorsque l'on dit l'expression « bullseye », qui signifie l'œil du taureau, ça veut dire c'est l'œil du taureau enragé, eh bien, c'est justement cette étoile-là, elle est rougeoyante et c'est la plus brillante de toute la constellation. Aldébaran, on la voit ici. Et pour les êtres vivants, on a Alnat, Ain. On voit Alnat et Ain. Et ici, quand on se rapproche à l'intérieur du taureau, on a l'étoile Atlas juste à côté de Pléon. Et à côté, on a ce que la Bible nous appelle les pierres étincelantes. Et ces pierres étincelantes-là, eh bien, elles sont au nombre de sept. Seulement sept ont été nommées, et ce sont les Pléiades. Elles ne sont pas comptées dans les êtres vivants. Donc, on a un total de quatre anciens. Pas des êtres vivants, mais les anciens. Donc, on a un total de quatre anciens, si on calcule Alnat, Ain, Atlas, Pléon, pour un sous-total de 11 étoiles, si on inclut
celle qu'on a calculée dans le lion. On continue. Maintenant, le Verseau, le visage d'homme, la face d'homme. L'être vivant, c'est l'étoile Folle-Mal-Haute, qui est l'étoile la plus brillante de toute cette constellation-là. OK? On la voit ici. C'est l'œil du poisson, Folle-Mal-Haute. C'est celle-ci qu'on retrouve justement au pied du Verseau, dans l'œil du poisson. Le poisson austral, celui-là. Et non, ça n'a pas rapport à la constellation du poisson qu'on voit justement ici. Ça, c'est le poisson austral. Et donc, les étoiles sont au nombre de 7. Vous vérifierez par vous-même que je ne vous triche pas, que si vous cliquez sur toutes les autres étoiles ici, ils ne sont pas nommés. Vous avez les noms. Vous pouvez prendre une capture d'écran, vous amuser, vous allez voir. Vous allez arriver vous-même au nombre de 7. Les noms vous apparaissent ici. Je ne vais pas vous les nommer une après l'autre. Mais pour un total de 7, on est rendu à 18. Et on se retrouve maintenant au quatrième être vivant, qui est l'aigle, qui est aussi le scorpion. Donc, l'étoile qui représente l'être vivant comme tel, c'est l'étoile Antares, qui est l'étoile la plus brillante, une des plus brillantes du ciel d'ailleurs. Antares est extrêmement brillante. L'œil du scorpion, on la voit ici, Antares, OK. Et on a les étoiles suivantes, Akrab, Tshuba, Alniat, Girta, Chola, Lesat, toutes ces étoiles-là sont au nombre de 6, et donc, si on additionne, on était rendu à 18, 18 plus 6, eh bien, on a exactement 24 étoiles nommées. Vous pourrez encore une fois vous amuser à cliquer partout sur la surface du scorpion, et vous ne trouverez aucune autre étoile qui porte un nom. Vous allez trouver des epsilon, des alpha, des oméga, mais jamais, jamais, jamais vous allez trouver d'autres étoiles nommées, comme je vous montre ici. Donc, on a une preuve ici, irréfutable, de l'authenticité de la vision du système solaire entouré des constellations, vue du dessus, vue de l'hémisphère nord, dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, coïncidant ou voulant nous signifier le début de l'entrée, de l'ouverture des sceaux, puisque le chapitre 4 et 5 sont des chapitres qui sont précurseurs de l'ouverture des sceaux qui débute au chapitre 6. Normalement, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qu'on peut dire qu'il est chronologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le chapitre 16 qui se passe après des événements du chapitre 20. Il n'y a pas vraiment de chronologie et on le voit même à l'intérieur des chapitres même. Sauf que pour ce qui est du chapitre 4, 5 et 6, ce sont des, en tant que tels, en tant qu'eux-mêmes, ils sont chronologiques. C'est très important. Alors, ça complète cette démonstration-là. Et vous allez voir, je vais aller voir encore plus loin. Je vais aller encore plus loin parce que je vais vous démontrer que les pierres étincelantes, ce sont effectivement les Pléiades. Et tout est astronomique à ce niveau-là. Ce sont des signes dans les cieux que le Seigneur veut qu'on regarde et qu'on reconnaisse pour nous aider à comprendre les temps dans lesquels on vit.